À la fin du roman, en avant ou pas, le personnage d'Hemingway, au moment de mourir, constate que, de quelque façon qu'il s'y prenne, un homme seul est foutu d'avance. Cette phrase marque la fin de l'individualisme. Avec la guerre civile en Espagne et la menace du fascisme, il est impossible dorénavant de vivre à part. Pour l'épigraphe de son roman, Pour qui sonne le glas, dont le sujet traite de la guerre civile espagnole, Hemingway reprend un sermon de John Donne. Nul homme n'est une île complète en soi-même. Chaque homme a un morceau de continent, une partie du tout.